Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oulam à la une aujourd'hui. Une offre 100% familiale et adaptée aux différents clients, tourisme Biladi met le paquet en cette saison de vacances. Nous irons à Ifrane où l'offre fait des émules auprès des nationaux et des touristes étrangers. Escale également à la première destination touristique du Royaume, Marrakech, qui accueille des visiteurs venus de partout, une haute saison et des hauts lieux touristiques surveillés par les patrouilles de la police touristique. Championnat du monde d'athlétisme de Londres, un énorme succès populaire et des compétitions qui s'achèvent ce soir. Dans à peine moins d'une heure, l'athlète marocain Pour Abdel Karam tentera une place sur le podium du 1500 mètres. Mais d'abord, ce rappel de la visite d'amitié et de courtoisie effectuée hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI au serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz al-Saoud, en sa résidence à Tanger. Le souverain était accompagné de son altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan. Sa Majesté le roi Mohamed VI a été salué par son altesse, le prince Khalid bin Fahd bin Mohamed, son altesse royale, le prince Mansour bin Saoud bin Abdelaziz, son altesse royale, le prince Talal bin Saoud bin Abdelaziz, son altesse royale, le prince Ahmed bin Fahd bin Salman, son altesse royale, le prince Rakan bin Salman. Le souverain a été également salué par son altesse royale, le prince Turki bin Salman, son altesse royale, le prince Faisal bin Ahmed bin Salman, ainsi que par plusieurs ministres et hautes personnalités saoudiennes. Le serviteur des lieux saints de l'islam, actuellement en visite privée au royaume du Maroc, a de son côté été salué par le conseiller de Sa Majesté le roi Fouad Ali Himma, le ministre de l'Intérieur, le chambellan de Sa Majesté le roi Sidi Mohamed Alaoui, le général de corps d'armée Hosni bin Slimane, commandant la gendarmerie royale, le directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de la surveillance du territoire national Abdeltef Hamouchi, et par le wali de la région Tanger-Tétouan Al-Husseima, Mohamed Yaqoubi. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de l'État des Émirats arabes unis, son altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, suite au décès de 4 militaires émiratis dans la province de Chabwa, dans le sud du Yémen. À la suite de la mort en martyr de 4 éléments des forces armées émiraties alors qu'ils accomplissaient leur mission pour défendre la souveraineté du Yémen frère et son unité, Sa Majesté le roi exprime à son altesse et à travers lui aux familles éplorées des victimes et au peuple émiratif frère ses vives condoléances et ses sincères sentiments de solidarité et de compassion. Message royal similaire au prince héritier d'Abu Dhabi. En ces douloureuses circonstances, le souverain exprime à son altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et à travers lui aux familles éplorées des victimes ses vives condoléances et ses sincères sentiments de solidarité. Sa Majesté le roi a également adressé un message de condoléances au président égyptien Abdel Fattah Sisi à la suite de la collision de 2 trains près d'Alexandrie faisant plusieurs morts et blessés. Le souverain affirme avoir appris avec une profonde peine la triste nouvelle de ce drame et exprime ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d'entourer les victimes de sa sainte miséricorde et d'accorder aux blessés un prompt rétablissement. C'est la haute saison touristique en ce moment, une période de répit que certains passent en famille. Chez nous, l'offre tourisme Biladi est spécialement tournée vers cette cible. Une offre que l'on trouve partout, même en zone montagneuse. À Ifrane, par exemple, où des complexes et villages touristiques sont très fréquentés en été, ils répondent aux attentes les plus pointues des touristes nationaux en matière de confort, de loisirs et de tarifs. Ahmed Al-Fadeli, Mandil Andalousi et Souad Anachat. Adossé à une magnifique forêt de cèdres, le complexe touristique s'étend dans une ambiance estivale bon enfant. La piscine constitue forcément la plus forte attraction cette période caniculaire. Sur 30 hectares, le concept ici est décliné de façon à satisfaire une clientèle essentiellement familiale. Nous sommes venus à Ifrane pour passer le restant de nos vacances. Cela nous a plu. Nous avons une belle maison. La réception est super, l'accueil est super, la piscine elle est grande, elle est bien. Je passe de très bonnes vacances, l'ambiance est vraiment magnifique, nous sommes gâtés. Un établissement Biladi qui, comme son nom l'indique, développe une offre hôtelière adaptée aux vacances en famille. Les 177 chalets et appartements sont conçus de manière à être au diapason des attentes
en termes de confort, loisirs et surtout de tarifs. Dans ce complexe touristique dans lequel on trouve tout ce dont on a besoin, y compris nos enfants, avec vraiment des prix très adéquats. Je suis très contente d'être ici. La formule a du succès. L'idée est de promouvoir le tourisme interne en encourageant les Marocains et ceux de l'étranger à partir en vacances grâce à une offre alléchante et de qualité. Un bon plan pour celles et ceux désireux d'aller à la découverte des trésors de leur pays, car le programme Kounous Biladi connaît une implantation aux quatre coins du royaume. Nous sommes venus ici à Ifrane car c'est une destination du moins touristique et familiale. Donc on a bien aimé l'ambiance générale, les installations, le complexe. Notre complexe, il répond parfaitement aux besoins de la clientèle marocaine en termes de capacité premièrement, puisqu'il présente des appartements et chalets avec une capacité maximale de 6 personnes, ce qui répond parfaitement aux besoins de nos familles marocaines, avec des prix très abordables et compétitifs linéaires toute l'année, c'est-à-dire entre 400 et 500 dirhams pour une famille de 5 à 6 personnes. En cette période de l'année, le complexe affiche un taux d'occupation qui avoisine les 100%. Des pics sont également enregistrés en dehors de cette période, notamment au cours des vacances scolaires. Première destination touristique du royaume, Marrakech est prise d'assaut durant la saison chaude. Les touristes y affluent en masse et pour le plus agréable des séjours, la ville mise particulièrement sur la sécurité des visiteurs à travers la présence de la police touristique qui déploie ses patrouilles un peu partout dans la cité ocre. Quelles sont ses missions et ses interventions? Voyons cela dans ce reportage de Soumaya Belayachi, Mohamed Nassari avec un récit de Boubkar Benabrit. Place Jam al-Fna. Malgré les fortes chaleurs, la place connaît, comme à son habitude, une forte animation. À la préfecture de police, le dispositif de sécurité mis en place est en action 24 heures sur 24. Au PC de surveillance, un mur d'écran relaie les images de dizaines de caméras. Rien n'est laissé au hasard. Cette approche sécuritaire participative a pour but de préserver l'ordre public et la sécurité des citoyens, qu'ils soient résidents, visiteurs, nationaux ou étrangers. Cette stratégie sécuritaire est mise en place en fonction des périodes et des lieux très fréquentés. Depuis 1994, une police spéciale veille au confort et à la sécurité des visiteurs. Il s'agit de la police touristique. Une centaine d'agents sont ainsi chargés de patrouiller dans la Médina et sur la place Jam al-Fna. Les patrouilles sont déployées dans les lieux touristiques, mais également dans les circuits empruntés par les touristes, comme la Médina, qui abrite de nombreux riads des maisons d'hôtes, qui se chiffre à ce jour à 1200. Cela demande une grande vigilance. En toute quiétude, touristes et visiteurs nationaux se croisent sur la place dans un joyeux tumulte sous l'œil vigilant de la police touristique. C'est une découverte pour nous. Nous avons l'habitude d'aller en Tunisie. Cette fois-ci, nous avons choisi Marrakech. Nous irons également à Agadir et Casablanca. Si le temps le permet, nous visiterons d'autres villes. Depuis notre arrivée au Maroc, nous nous sentons en sécurité. De l'hôtel où nous logeons jusqu'à la plage Jam al-Fna, c'est la sécurité totale. On est en sécurité. À l'hôtel, très très bien. Ah oui, oui, oui. Non, on n'a pas de problème. La France, c'est pas mieux, hein, c'est pareil. Hein. Sécurité, c'est obligé maintenant partout. C'est la deuxième fois qu'on vient au Maroc. Et c'est sympa. Le 5e arrondissement de police de Guéliz à la plage Jam al-Fna est opérationnel 24 heures sur 24. Un choix qui se justifie par les diverses prestations qu'il offre en matière de sécurité à un grand nombre de citoyens, de résidents et de touristes visitant le Maroc.
Et en cette période de grands déplacements, beaucoup choisissent de faire le voyage en mer. C'est le cas de nos compatriotes résidant à l'étranger. Une nouvelle liaison maritime leur facilitera désormais le trajet entre le port d'Almeria au sud d'Espagne et celui de Bninsar de Nador. Au lieu de 7 heures, vous n'y mettrez plus que 4. Rachid Latabi, Mounia Marouch pour Kermel Gabrit. 4 heures au lieu de 7, c'est la durée de la traversée entre le port d'Almeria en Espagne et le port de Bninsar à Nador. Un gain de temps réalisé grâce à la mise en service d'un nouveau ferry respectant les horaires de départ, plus rapide et plus performant en matière de sécurité. Le bateau est confortable, la traversée s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Le navire est spacieux et propre, la durée du voyage n'a été que de 4 heures. Ce nouveau ferry vient ainsi renforcer la ligne maritime Almeria-Bninsar. Les responsables portuaires marocains étudient également la possibilité de lancer d'autres lignes vers plusieurs autres destinations au nord et au sud du Maroc. Une nouvelle ligne sera mise en service bientôt avec la ville d'Al-Husima dans les provinces du sud. Une autre reliera Boujdour et les îles Canaries. Et nous renforcerons également la ligne entre Nador et Sète, mais également Barcelone. Nous avons de grands projets en perspective. D'une capacité de 1200 passagers, ce nouveau ferry offre tous les services et le confort nécessaires, une bonne restauration, un personnel à bord très accueillant, un cadre idéal pour une traversée agréable. Dans le reste de l'actualité, un attentat au Pakistan fait au moins 15 morts et des dizaines de blessés deux jours avant la célébration du 70e anniversaire de l'indépendance du pays. Une moto piégée a explosé sur le marché de la ville de Quetta dans le sud-ouest. Le ministre pakistanais de l'Intérieur a indiqué que l'explosion s'est produite lors du passage d'une patrouille paramilitaire et a été menée au moyen d'explosifs incendiaires, provoquant l'incendie de plusieurs véhicules à proximité. Le ton monte autour de l'île de Guam, ce petit territoire américain du Pacifique visé par la Corée du Nord. Les menaces se font de plus en plus virulentes entre Donald Trump et Kim Jong-un. Pas plus tard qu'hier, la Maison-Blanche a demandé à Pyongyang de cesser son comportement qualifié de provocateur et porté à l'escalade. L'île américaine de Guam est menacée depuis quelques jours par Pyongyang qui prévoit d'envoyer dans sa direction 4 missiles en réponse aux propos de Donald Trump qui avait promis le feu et la fureur contre son régime. Ce sont deux versants de l'Amérique qui se sont affrontés hier à Charlottesville, en Virginie. Une personne est morte et au moins 34 autres ont été blessés après qu'une voiture a foncé dans un groupe de manifestants venus protester contre le rassemblement de suprémacistes blancs. Suite à ces échauffourées, l'état d'urgence a été décrété et depuis le New Jersey, le président américain a condamné l'explosion de violence, pointant un déversement de haine. Le FBI a ouvert une enquête sur ces violences. L'Italie lutte contre les flammes. De nouveaux incendies se sont déclarés dans les forêts du sud du pays. Des incendies attisés par un temps caniculaire et des vents forts. Plus d'une centaine de foyers ont été évacués en raison d'un incendie important qui touche encore le village de Saint-Salvatore de Fitalia sur les montagnes de la Sicile. Et d'autres feux autour de Catane ont détruit des centaines d'hectares de bois. Le feu se déclenche également dans la région de Campanie où 7 hélicoptères et 3 canadaires se battent contre les flammes. Retour à l'actualité du pays. Les éléments de la police de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca ont appréhendé cet après-midi un ressortissant ghanéen en possession de plus de 9 kilos de cocaïne. Selon la Direction générale de la Sûreté nationale, le mis en cause a été interpellé à son arrivée à l'aéroport d'un vol en provenance de Sao Paulo et devait embarquer à destination d'Accra. Une fouille minutieuse de son bagage a permis la découverte de la drogue qui a été soigneusement dissimulée dans divers produits et équipements destinés aux enfants. Une personne a trouvé la mort et 13 autres ont été blessés, dont 6 grièvement dans un accident de la route survenu vendredi au niveau de la commune d'Eit Orbil dans la province de Khmisset. L'accident s'est produit suite au renversement d'un véhicule de transport mixte à bord duquel se trouvaient 14 personnes.
La chaleur persiste partout au Maroc. Les maximales sont de 40 à 44 degrés sur le sud des provinces sahariennes et l'extrême sud-est. Elles sont de 36 à 41 sur les plaines de Tadlar, Hamla, Tensift et le Saïs, mais aussi sur les plateaux de phosphate et l'intérieur du Loukous et du Gharb. Les températures sont un peu plus clémentes sur l'intérieur de la Chabia, de Kala, Abda, les côtes atlantiques et la Méditerranée, où on enregistre des valeurs qui oscillent entre 30 et 36 degrés. C'est ce soir que s'achèvent à Londres les championnats du monde d'athlétisme qui ont rencontré en Grande-Bretagne un énorme succès populaire avec pas moins d'un million de spectateurs qui se sont déplacés pour cette grande fête de l'athlétisme. Dans à peine moins d'une heure, ce sera au tour du Marocain Fouad El Karam de tenter une place sur le podium du 1500 mètres. Pour cela, il lui faudra faire preuve d'une concentration à toute épreuve. Nous y serons, la course est prévue à 20h30, heure marocaine. Voilà, c'était tout pour ce dimanche. D'autres titres de l'actualité à 21h avec Mohamed Redal Abidi. Au plaisir de vous retrouver demain à 19h.